Lundi soir, rendez-vous avec notre éclaireur, en l'occurrence le docteur Bondoux. Bonsoir docteur, président du syndicat des médecins libéraux. Alors, le ministre nous a présenté aujourd'hui la statistique, 149 personnes concernées par la Covid, et surtout il insiste, il faut casser la courbe. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Je pense que tout le monde dans cette situation qui est sérieuse, inquiétante, sans forcément céder à la panique, doit nous amener à prendre des responsabilités et des gestes efficaces, en particulier les gestes barrières, et vis-à-vis des gens de la santé, diagnostiquer, tester un maximum pour pouvoir justement faire le point sur qui est effectivement séropositif, tout au moins qui est positif au niveau du test Covid. 149 personnes, est-ce que ça doit nous faire peur ou est-ce que vraiment par l'identification du lieu où ça s'est passé, ça doit aussi nous rassurer ? Tout à fait, quelque part, il faut quand même savoir que d'après ce que j'en sais, ces tests positifs tournent tous autour du même cluster dont on a suffisamment parlé déjà depuis le début de ce renouveau épidémique. Il n'y a pas de nouveaux cas qui sortent de ce lieu-là. Donc je pense qu'effectivement, de tester les gens contacts un maximum, le bureau de la veille sanitaire fait son travail d'enquête pour repérer les cas contacts, les cas à risque. Et je pense qu'avec sérieux et distanciation, les gestes barrières, on doit arriver à casser cette courbe. Il ne faut pas oublier on a parlé un petit peu des enfants, c'est compliqué avec la rentrée scolaire. Les enfants, il faut quand même bien voir que très souvent, ils sont asymptomatiques, développent une forme de maladie très peu grave. Néanmoins, ils sont contagieux. Et tout le risque, en fait, c'est de ramener éventuellement ce virus. Il ne faut pas être inquiet pour l'enfant lui-même, mais de ramener ce virus à la maison avec quelqu'un qui peut avoir des polypathologies ou une personne âgée, le risque est là. Donc toujours pareil, geste barrière à la maison, le masque, se laver les mains souvent si jamais on côtoie des gens potentiellement à risque. La soirée dont on parle, c'était le 31 juillet, soirée rugby, on est le 17. Est-ce que ça veut dire déjà que les gens qui sont potentiellement porteurs de ce virus sont moins dans la capacité de le transmettre à d'autres personnes ou pas ? On ne peut pas tellement le dire parce que tout dépend de la charge virale initiale. Chaque personne va contaminer d'une façon différente une personne avec ce virus-là. Ensuite, comme l'a dit le Totérénal, l'enquête est en cours, donc il y a des tests dont on a les résultats maintenant, qui sont en fait des tests qui ont eu lieu il y a une dizaine de jours pour pouvoir un petit peu mener l'enquête autour de ces sujets, on va dire, à risque. Si je vous comprends bien, la personne qui porte le virus n'est pas forcément dans la même intensité pour la transmission. Il y a une différence entre les personnes porteuses de cette... Tout à fait. Tout à fait. La charge du virus, la quantité de virus qui est portée par un individu varie d'un individu à l'autre, et on comprend bien que plus on est porteur d'un nombre de virus élevé, plus on sera contaminant et contagieux. Quand on regarde la situation en France, en métropole, on voit que c'est surtout des jeunes gens qui sont touchés par le virus, très peu de gens en réanimation. Est-ce que cette réalité métropolitaine peut se reproduire ici en termes de vérité ou pas ? On n'est pas sur le même temps T. Je pense qu'on n'est pas sur le même temps T, justement, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut insister sur le respect des gestes barrières, absolument casser cette courbe, comme je le disais tout à l'heure, et absolument éviter que nos personnes âgées, nos personnes à risque au niveau médical attrapent ce Covid. Ces personnes-là l'ont attrapé en métropole, on a vu les dégâts, les réanimations débordées. Cette situation-là, on ne l'a pas vécue ici et on ne veut pas la vivre. Si on ne veut pas la vivre, il faut absolument étendre dans le temps cette possibilité d'infestation virale et faire en sorte que nos services de réanimation ne soient pas engorgés de malades qui risqueraient d'avoir besoin de soins, de tels soins. Nous parlons désormais beaucoup de vaccins, on semble avoir une guerre géopolitique entre les différents pays, Chine, Russie, etc., etc. Est-ce qu'on a un espoir rapide pour le vaccin ou est-ce que l'homme de science que vous êtes nous dit « prudence et merde sûreté » ? Non, prudence et patience. Même si les Russes communiquent beaucoup là-dessus, on ne peut pas du tout dire que le vaccin russe soit si efficace que ça. Ce soir, le dernier message adressé à la population du Fénois, tranquillité, gestes barrières, rigueur, civisme ? Rigueur, sérieux, civisme. Et moi, je dis que je suis un peu surpris, heureusement surpris, de voir que quand même le masque se porte de plus en plus dans les lieux où il y a du public, et c'est plutôt rassurant.